Pendant ma thèse, j'étudie le procédé de projection plasma de suspension, qui est un nouveau procédé d'élaboration de revêtements de surface, et je contribue à sa compréhension et à sa maîtrise. Qui dit Projection plasma de suspension dit tout d'abord suspension. Mais qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout simplement un liquide avec de toutes petites particules matériau, du matériau que l'on souhaite projeter. Encore faut-il savoir quel liquide utiliser J'ai d'abord choisi le liquide le plus présent sur Terre, H2O, qu'on appelle vulgairement eau. Et pour corser le jeu, j'ai également travaillé avec le liquide préféré des étudiants, l'éthanol. En tant que bonne cuisinière, pardon, chimiste, j'ai mélangé tous ces éléments et j'ai ajouté quelques pincées de dispersant pour éviter d'avoir des grumeaux. Ting, c'est prêt. Maintenant que j'ai la suspension, il faut à présent penser à l'injecter dans le plasma. Comment faire Eh bien, j'ai troqué d'abord ma, ma blouse de chimiste. Contre la blouse d'un mécano, j'ai pris des forêts et une clé de 12. Oui, je suis une femme et pourtant je sais bricoler. Et puis je me suis mise à construire un système d'injection. Après trois ongles cassés, des cheveux arrachés et quelques neurones grillées, j'ai enfin mis au point un injecteur produisant de fines gouttelettes de suspension et qui pénétrait bien dans mon plasma. À propos, je ne vous ai pas encore parlé du plasma élément phare du procédé. On pourrait le confondre avec un sabre laser, mais c'est juste des gaz qui sont très très chauds, environ 10 000 degrés, et très rapides aussi. Ainsi, lorsque les gouttelettes de suspension pénètrent dans le plasma, le liquide s'évapore, et les particules du matériau sont alors fondues et accélérées, et s'écrasent sur le substrat, qui est la pièce à revêtir, comme le feraient des gouttelettes de peinture. Oui, c'est ça en fait. La torche à plasma, c'est un pistolet à peinture. Mais gare à moi quand je repeignais la cabine de projection. Euh, j ai, j ai, après tout ce travail, j'ai réussi à obtenir des revêtements avec des structures très différentes en fonction des conditions d'élaboration, comme le liquide avant les essais, enfin je veux dire le liquide de la suspension. Et ici on obtient un revêtement très dense. On voit que les particules sont bien empilées, ça ressemble un peu à du riolé. Alors que là, le revêtement est beaucoup plus poreux avec des trous, comme un morceau de gruyère. C'est bien, vous allez me dire tout ça, mais à quoi ça sert Eh bien, mon but à moi, c'était de démontrer le potentiel de ce nouveau procédé afin de proposer un éventail de nouveaux revêtements plus performants que ceux qui existaient déjà. Un revêtement dense comme ça pourrait servir de protection anti-usure pour les pièces de moteur. Merci.